Adonis, la bienvenue à Berlin. Merci, très heureux. Et aussi, déjà maintenant, toutes mes félicitations pour votre anniversaire. Merci bien. Vous êtes ici à Berlin, pas pour la première fois. Normalement, vous venez avec l'écriture. Maintenant, vous venez avec l'écriture et des images. Ou bien avec l'écriture comme image. Quel est le rapport Oui, c'est un peu compliqué. Et moi, je suis toujours à la recherche de répondre à cette question. Ouais. Surtout que je ne viens pas de la peinture, proprement parlant. Je viens plutôt d'une lignée double, si on peut dire. De la graphique arabe et la couleur et la ligne occidentale. Et donc, dans cette lignée, j'essaye de créer une œuvre picturale graphique ou graphico-picturale. Et sans me laisser aller par la description du monde. Ouais. La créativité, la création doit questionner le monde et pas narrer et décrire et doit être dans un sens vertical et pas seulement horizontal. Das Schreiben. Das Universum ist Blut und Vernichtung. Aus dem Schreiben machte ich Abgrund. Meine Worte senken sich hinab. Mein Körper sinkt hinunter. Mein Kopf naht heran. Anfang der Sprache. Diese Stadt ist nicht mehr Horizont oder Wendekreis. Um sie zu sehen und zu sehen, dass wir sehen, müssen wir den Grund legen für den noch ungeborenen Blick, für die noch verborgene Sprache. Genau darum geht es ja auch in dieser Reihe Exil. Wie setzen Künstler sich also mit ihrer Herkunft auseinander und wie antizipieren sie also ihren neuen ihre neue kulturelle Umgebung? Wo sind Verbindungen? Wo sind die Unterschiede? Was kristallisiert sich also in der künstlerischen Arbeit heraus? Und dafür steht das Werk von Adonis eigentlich par excellence. Ich finde, er hat es ja in Paris unheimlich schön erklärt, als er meinte, dass er angefangen hat zu malen und zu kollagieren, als ihm die Worte irgendwann fehlten. Und das ist eigentlich so dieses, wenn Sprache irgendwann nicht mehr ausreicht und das nur bei jemandem, der so sprachgewaltig ist, dass er dann auf dieses bildkünstlerische Mittel zurückgreift. Das sind seine eigenen Gedichte, die er illustriert hat. Muss man genau gucken, wo die Signatur ist bei ihm. Das hier unten, genau. Ja. Mhm. Wunderschönes Blatt. Ja, das ist auch eine sehr, sehr schöne Arbeit. Voilà. Donc, c'était un problème au fond d'écriture chez moi. Alors, j'ai senti un jour que le mot ne dit pas les choses, ne peut pas dire la chose. La chose est beaucoup plus riche, beaucoup plus variée que le mot. Donc, je me suis dit, comment tu n'essayes pas de sortir, d'élargir les frontières du mot pour aller plus loin. Ouais. Comme au lieu de forcer et de renouveler le mot en lui-même, j'ai essayé d'apporter un autre élément pour ensemble, le mot et la ligne, le mot et la couleur,
essayer, c'est un simple essai, et de créer un questionnement double par l'image, si vous voulez, ou par la couleur, la structure plutôt, ou bien la forme, et la graphique aussi. Ensemble, poser une question aussi unie sur le monde et sur les choses à travers le mot et la ligne. Ouais. Ouais. C'était un problème personnel. Die Bleibe der Kunst, ihre Gegenwart, die Adonis uns schenkt, ist die Frage und die Bewegung. Im Französischen gibt es ein Wort für die Bleibe. Es heißt la demeure. Nicht nur deine Bleibe, du fasst in Händen die Frage nach der Bleibe des Menschen. Ein zutiefst empfundener